What's up, gens de l'internet, on se reprend après la dernière vidéo, la vidéo la meilleure que j'ai faite de ma vie. J'ai échappé à un 4v1, c'était vraiment amusant. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Aujourd'hui les amis, on va ouvrir pour commencer l'épisode 18 clés d'Inotium. J'ai fait une vidéo qui a fait 5000 vues comme vous avez sûrement vu la dernière vidéo. Ça m'a donné 1700 points boutique, donc je me suis dit let's go, on va ouvrir des clés avec. Et puis on verra qu'est-ce qu'on obtient. Ah, j'ai quitté sans faire exprès. On peut pas voir qu'est-ce qu'on obtient. Ah. On a gagné un P4 Tita. On l'obtient après. C'est quand même pas si pire, mais je préfère voir qu'est-ce qu'on obtient. Donc voilà, avec ça, je vais vous faire un coffre caché vers la fin de la vidéo aussi. Et puis après ça, je sais pas qu'est-ce qu'ils allaient pas, qu'est-ce qu'on a dans les caisses. Si on a un spawner, j'aimerais ça me faire une format spawner au F-Home. Parce que comme vous savez, avec le nouveau système de cristal, etc. Je vais aller vous montrer un peu d'ailleurs le système de cristal. Je trouve ça super inédit, super intéressant. Je trouve que Psyfight a super bien géré là-dessus. Donc, gros GG à eux là-dessus. On n'est pas super chanceux depuis le début de la version avec nos clés. On en a ouvert 26 dans le premier épisode. Et là, on est rendu à 18. On est rendu peut-être à une trentaine. Et on a juste eu des P4 Tita. On a vraiment rien eu d'extraordinaire. Si vous savez pas, vous pouvez obtenir des spawners qui est super rare. On a eu aussi un épée en obsidian qui est quand même rare. Et puis, on a des têtes de Wither à chaque fois. Tabarnak! Bref. C'est pas grave, les amis. On va espérer gagner quelque chose de bien. Et puis, des bombes shit. Wow! Et puis, ouais, comme je vous dis, j'espère avoir un spawner pour faire une farm à spawner au F1 pour les gens de ma faction qui jouent sur le serveur. Comme ça, va être ma contribution. Aussi, du Xenotium, c'est super important pour avoir notre première pièce en Xenotium aujourd'hui. Si on obtient au moins deux fois du Xenotium. Donc ça pourrait vraiment être cool. Ah, je pensais qu'on allait avoir les spawners. Oh, j'étais fucking content. Il y a le gars devant nous qui prend un screen, je crois, ou je sais pas trop. Mais bon, c'est pas grave. Ah, je pensais qu'on allait avoir le spawner. Mais non! Je rage pas, les amis. Faut pas rager. Oh, une épée en T5 en obsidium. Ça, je vais la prendre avec plaisir. En plus, elle est T5. Ça, c'est génial. Oh, oh, je pensais qu'on allait avoir un spawner. Ok, il nous en reste 6, les amis. Let's go. Il faut un spawner sur les 6. Sérieusement, si on a un spawner sur les 6, ok, ça va être la plus belle chose au monde. Un autre épée en obsidium. Ça, franchement, c'est bien. Je vais vous en mettre une dans le coffre caché. Ça, c'est vraiment bien, en vrai. C'est pas mal du tout. Let's go, spawner, please! Ah, du sadian de merde, putain. Let's go, come on, man. Come on, donne-moi un spawner de merde! Oh! Ah, du sadian encore. Fuck, man. Je sais même pas à quoi ça sert, honnêtement, man. Ok, il reste 3 clés, les amis. 3 clés. Let's go, on est capable, putain! Oh, une autre épée en obsidium, tabarnouche, c'est vraiment bon, nos fakes c'est vraiment bon, hein. Mais c'est pas une qu'on cherche, les amis. Il y a un gars qui dit que je peux avoir une contre un bloc X-ray. Message, vélure, une clé versus bloc X-ray. Comment on craft le bloc X-ray, comment on fait pour voir bloc X-ray? Ah oui, c'est ça, c'est le bloc que j'ai regardé tantôt. Un bloc de magma, un bloc d'anétis, un bloc d'obsidium, un bloc de titan, un bloc de guerna, un bloc de xenotium. Ah. Ah, ouais, on va lui échanger. Tiens. Ah, oh, c'est un fake. C'est un fake, je crois. Je suis pas sûr que ce soit le vrai. Message. Vélium. Comment je peux savoir si c'est un vrai? Ça peut être une vitre renommée, hein? Hey, imagine le gars il essaie de nous arnaquer, man. Imagine il essaie de nous arnaquer pour de vrai. Yo. Non, mais sérieusement. Ok. Ok, je vais juste essayer de voir comment il a écrit X-ray. Attends, faut juste que je fasse ça juste pour voir. Ok, X-ray, le X est en minuscule. De quoi on peut pas en faire? Ok. Euh.
Tu vois, bloc. Bloc avec un K. Puis ici. Bloc, y'a pas de K. Il essaie de m'arnaquer. Esti. D'un gros fils de pute. J'ai eu 3 têtes de wheeler. Fuck off. Message. Vélu. Essaye de pas mettre un K à la fin de bloc. Ça fait un peu fake. Il essaie de nous arnaquer, l'enculé. Ok, les amis de l'interweb. On va faire. On va lui vendre 2 boules comme ça. Contre 4 lingots de Xenotium. Donc, au moins, lui, il essaie pas de nous arnaquer. Et là, on a reçu 4 lingots de Xenotiumien. So, oh, de l'XP! Yo, fuck, j'en ai fucking de besoin. Dude, Akira, no fake. Merci à toi, gros. J'en avais vraiment besoin. L'obsidienne aussi, c'est cool. Merci, bro. Ok, maintenant, j'ai augmenté mes prix. C'est 3 pour une lampe de réparation. Allez, au revoir. J'ai réussi à augmenter mes prix encore. contre ce gars-là, il devrait m'en acheter celle-là contre 4 Xenotium. Tu veux la boule de réparation? Si tu m'en donnes 4, je t'en donne une boule de réparation, mec. Ok, c'est bon. Let's go. On met une boule de réparation. Il devrait mettre 4 Xenotium. Let's go. Encore mes prix augmentent, les amis. Continue comme ça à m'en acheter. Je suis le fournisseur, mec. Allez, salut! Et les gars, je sais pas trop comment obtenir des corps neutres. J'aimerais ça crafter ma première pièce de Xenotium dans cette vidéo. Sauf que... ben, je trouve pas le... Je trouve pas comment on peut en obtenir sans voir le kit minerai. Donc, c'est un peu embêtant. Mais bon, hop là, je vais pas aller là. Donc voilà, là, à ce qui paraît, il y a une caisse journalière. Je l'avais ouvert au début de la version, mais là, je me souviens plus, elle est où. Donc je vais la chercher, puis je vais essayer de l'ouvrir. A tout de suite. Ah oui, c'est vrai, c'est que je suis con, c'est au spawn ici. Donc on a eu un bloc de garnet dans notre récompense. Donc j'aurais aimé savoir un corps neutre, un corps neutre plutôt. Mais bon, c'est pas grave. Là, il faudra que j'essaie de faire un échange avec un joueur. Ok, les gars, ça me fait mal au cœur, mais je vais échanger les plans d'obsidium que j'ai sur moi en ce moment. Pour des corps neutres, j'en ai besoin de... Là, lui, j'ai proposé 4 corps neutres. J'en ai vraiment besoin. Adieu, mon épée en obsidian. T'étais vraiment une bonne épée. Merci de m'avoir aidé à m'échapper de ces vilains garçons. Et de 1... Ok. Désolé, c'est des fois je panique. Et de 2... Ok, pardon. Et de 3... Oh shit, un peu plus, on perdait notre pièce P4. Imaginez, il y avait des gens devant nous. Oh, ciboulette. Il devrait régler ça, par contre. Tac, tac. Boom. Full P4U3. Allez, salut! Ok, j'ai crafté un corps en obsidium. Mais là, la question est, qu'est-ce que je crafte? Est-ce que je crafte un plat de talon? Un plastron? C'est pas ça, c'est quoi? C'est ça? Non, c'est comment ça marche? Oh, sacrement, t'es pas sérieux, là. Menu de craft, Xeno... Ah non, c'est quoi? C'est Obsidium. Ils l'ont appelé, je crois. Ouais, voilà. Plastron Obsidium, casque... What? Non, nous autres, c'est ça qu'on veut. Ça, c'est comment qu'on... Ah, ok, non, c'est pas ça qu'on veut. Obsidian, Obsidium. Ok, nous autres, on veut ça. C'est un corps en Xenotium. Ok, il faut l'entourer... Ok. On va se faire un plastron. Vous êtes prêts? Donc, là, il faut faire tac, tac, tac. Il faut entourer notre corps comme ça. Ensuite, il faut faire ça. Boom! Comme ceci. Ensuite, il faut refaire ça. Il va pas nous en rester assez pour faire des bottes. Ah, si, il va nous en rester assez, en fait. Si, si, si. Fait qu'on va avoir nos premières pièces comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Non? Non? Ok, attends. Je vais aller vérifier, les amis. Tabarnak. Obsidium. Les bottes, c'est quoi? Ah, si ça en prend 5. Oh, tabarnak. Non, j'ai pas assez pour rien d'abord. Mais j'ai. Si j'en ai un, je peux faire le casque. Fait que dans le fond, ça me prend un Xenotium. Ok. Bon, ben au moins, on a fait notre plastron Xenotium. Fait qu'on a fait notre première pièce. Ça, c'est vraiment bon parce que c'est pas quelque chose de super. Oh shit. T'es pas sérieux, dude? J'ai changé mon épée quand lui m'en donne un. Ta gueule. Non, t'es pas sérieux. Oh my god, j'ai gaspillé toute ma vie pour ça, man. Il m'en donne un autre en plus, esti. J'ai gaspillé fucking une épée en obsidium. J'ai gaspillé... Oh my god. Je m'excuse. Ok, c'est bon.
L'abonné juste ici m'a donné un Xeno, donc je peux faire mon casque. Fuck, man. Ouais, t'inquiète, t'auras une grosse dédie, man. Grâce à toi, j'ai mon casque en Xenotium. Regardez, boum! Deux pièces en Xenotium en moins de 10 minutes. Easy peasy lemon squeezy. Il nous a donné encore deux corps de Xenotium. Je vais te donner mon Sadien parce que je sais vraiment pas à quoi ça sert, dude. Fait que je vais donner ça, je vais donner un P4 aussi. Je vais garder mon bloc de Garnet, par exemple. Je vais donner mes têtes de Wither. Je vais te sucer la bite aussi. Tiens, prends ça. Prends un Under Chest. Je suis vraiment excité, donc voilà, je te donne aussi des steaks, apprécie mes steaks. Allez, salut! Donc, pour terminer l'épisode aujourd'hui, les amis, on va revenir un peu plus sérieux, parce que bon, je sais que je fais souvent le con dans mes vidéos, etc. Mais je vais essayer de comprendre le système de corps. Donc, comme vous voyez ici, on a un corps, donc on a un niveau de faction, la liste des niveaux de faction. Donc là, le début d'une épopée, succès recruté pour débloquer, il faut récupérer d'Exynotium. Ensuite, verrouiller, tuer des joueurs, ok, niveau 2, tuer des pingman, minage de blocs, ok, amélioration de vie du cristal, max au 3, ok, il vous reste 4 succès à débloquer, fait qu'il nous reste ça à débloquer. Ensuite, l'échauffement est terminé, il faut débloquer le niveau 1, ok. Des fois, on peut débloquer des niveaux, ça c'est vraiment cool, de se partir à partir, récompense à partir du 10, ok. Utiliser les pouvoirs de cristaux pour devenir plus puissant. Donc ça, c'est les effets de force, speed, etc. Ok. Succès, la liste des succès. Donc là, nous, qu'est-ce qu'on a comme succès au niveau de minage? On a miner, initiation au minage, initiation... Ah, ok. Nous autres, on est rendu au début de ça. Ensuite, palier des crafts des ateliers. Ok. Ok, attends, c'est quoi? Enchant obsidium. Obsidium. Enchant P4. Inutilité au minage. Ok, what the fuck. Enchant obsidium. Tuer des pigman. Ok. Récupérer des xenotium. Donc ça, faut... Ok, ça, faut l'éliminer. Tuer les joueurs. Ok, ça va être facile. Ok. Fait que dans le fond, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Puis il y en aura plus en plus, j'imagine. Qui est pour améliorer votre truc. Ensuite, vous avez les améliorations, les boosters. Donc là, ici, il y aura des améliorations de boosters disponibles. Par exemple, je sais pas moi, des fois 2, etc. Pour que vous allez pouvoir sûrement acheter sur la boutique. Ça, est-ce que c'est la limite de map? Je pense que ouais. Je pense que c'est la limite de map, ça. Je suis pas sûr. Mais bref, voilà. Ça, c'est notre réforme pour l'instant. Donc, notre cœur est juste à 52%. Puis, j'ai même pas accès à ce tiata, tabarnak. C'est quoi, cette merde-là? Ah ouais, notre cœur est juste à 50%. Je sais pas pourquoi, mais bon. Anyway, je pense que n'importe qui peut venir ici, rentrer dans notre base et puis péter notre corps. Je pense pas que ça soit super difficile à faire. Mais bon, je voulais vraiment... je veux dire, c'est quoi votre avis là-dessus? Est-ce que vous trouvez ça vraiment intéressant? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que non? Enfin, dites-moi, franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Ça me ferait vraiment plaisir d'entendre votre avis sur les cœurs. Un peu, c'est comme un peu Fallen Kingdom, dans le fond. Fait que c'est comme le cœur de ta faction. Mais bon, voilà quoi. Fait que si ça vous intéresse, le cristal plutôt, je voulais dire. Pas le cœur, mais bon, whatever. Ça reste un cœur comme un Fallen Kingdom. Si vous le tapez ou s'il se fait attaquer, ben, c'est mort, quoi, tu comprends? Donc, ouais, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Oh, le petit titanium juste là. Imaginez, il y a du Xenotium. Oh my god, attendez, faut qu'on regarde. Ok, non, il n'y a rien là. Aussi, les gars, vous savez qu'en début de vidéo, je vous ai montré le bloc d'X-ray. Il fonctionne pas pour l'instant, donc... Oh! C'est quoi ça? Ça, c'est pas du Xeno. Attends. Non. Non. Minerai. XP. Ah! C'est un bloc d'XP. Ouf! Je pensais que c'était du Xeno, parce que si ça avait été du Xeno, j'aurais été plutôt triste. Il y a quoi par là? Rien. Parfait! Donc voilà, c'est un épisode assez what the fuck. Mais j'espère que ça vous a fait rire, les amis. Mon but, c'est de vraiment faire la vidéo ce qui vous fait rire, etc. Pas du tout sérieux. Comme ça, ça fait différent des autres vidéos que je fais sur d'autres serveurs. En espérant que celle-ci vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de taper le pouce bleu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles crises de vidéos. Salut, c'était Iconce!